Concernant les otages du Hamas, l'armée israélienne a fait un nouveau bilan hier. Oui, il serait encore 242 détenus par l'organisation terroriste islamiste, parmi eux Alex Danzig, un historien de 75 ans, figure de la paix et de la réconciliation entre Israël et la Pologne. Son portrait, ce matin sur Europe 1, il est signé Martin Lange. La vie d'Alex Danzig bascule une première fois en 1957. Il a 9 ans quand ses parents survivants de la Shoah quittent la Pologne pour s'installer en Israël, mais il n'oubliera jamais son pays d'origine. Comme en 1973, en pleine guerre de Kippour quand il célèbre un but polonais, ses compagnons parachutistes croyant même à une annonce de cessez-le-feu. Ingénieur de formation, Alex Danzig retourne à Varsovie à la fin des années 80 et trouve sa vocation renouer le dialogue entre Israël et la Pologne, un dialogue inexistant depuis la Shoah et des décennies de communisme. Il organise les premiers voyages de juifs en Pologne, leur ouvre les portes des camps sans jamais stigmatiser. Dire que les Polonais étaient antisémites est un mensonge. L'historien forme aussi des dizaines de professeurs polonais à enseigner la Shoah. Des confrères désormais mobilisés sur un groupe Facebook. Help bring Alex home, aidez-nous à ramener Alex à la maison. Le 7 octobre, Alex Danzig était au téléphone avec son fils quand les combattants du Hamas ont raflé son kibbutz de Nizoz. Presque un mois plus tard, seul le témoignage d'une otage récemment libérée permet d' assurer qu'il est encore en vie. Voilà Martin Lange pour Europa.